Ici, quand je parle d'avancer l'œuvre de Dieu, je me souviens des chasseurs qui sont partis chasser les éléphants chez nous. Okay, when I'm talking about unity, I'm talking about the. En Afrique, on chasse les éléphants. People who went to kill the elephant. Alors, un monsieur qui s'appelait Faustin est allé chasse, à la chasse des éléphants. A man went over there, a hunter went to kill an elephant. His name is Faustin. Toujours quand on part chasser les éléphants, on est accompagné d'une équipe. Every time when we go to kill an elephant, you are together with a team. Et Faustin est parti avec une équipe qu'on appelle les guides. And Faustin went to elephant hunting with a team. They arrivé, are called guides. Arrivé en brousse, and when they got into the forest, c'est lui qui avait l'arme. He is the one who had the weapon. Il a déclenché l'arme, il a tué l'éléphant. And he went ahead and killed the elephant. Et l'éléphant est tombé à une distance de la maison où ils de la case où ils devaient amener la viande. Okay, the elephant fell close to the hot that they were supposed to take the donc, meat out there. Ils se sont entendus de tirer l'éléphant, l'amener au niveau de la case. Or they got together and said that the elephant should have been killed. Et ils avaient commencé à tirer l'éléphant. And they were pulling the elephant. J'aime toujours cet exemple. I always like this example. Et c'est Monseigneur Bokeleale qui avait donné cet exemple un jour. Monseigneur Bokeleale, oui. C'est lui le responsable de l'Alliance des missions et Églises. SCC, on appelle ça au Congo. Okay, Église du Christ au Congo. Of the Church of Christ in Congo. Et c'était quelqu'un qui aimait beaucoup parler de l'unité. And he's someone who loved to talk about unity. Et un jour, en parlant de l'unité, il a donné cet exemple. And et ça m'a fait rire. When he was talking about unity, he gave that example and I was laughing. J'ai ri jusqu'à avoir des douleurs au côtes. I was laughing to death. Parce qu'il dit, quand ils ont commencé à tirer l'éléphant, and he said, when they started pulling the elephant, ils se sont entendus de chanter un chant. And they were supposed to sing a song. Bon, en Afrique, quand les gens transportent quelque chose qui pèse lourd en groupe, and ils chantent. In Africa, when people are carrying something that is heavy, they sing in group. Et aussi chanter. They were singing. C'est lui, l'un entonnait, tirons-le. Les autres répondaient, c'est notre éléphant. And one was singing, let's pull him, and the other one will say, this is our elephant. Celui qui entend dit, tirons-le. Les autres répondent, c'est notre éléphant. Let's pull it, and the other was saying, that's tirons-le, our elephant. C'est notre éléphant. Tirons-le, c'est notre éléphant. Tirons-le, c'est notre éléphant. Et ils ont commencé à tirer leur éléphant. And they were pulling the elephant. Et l'entonneur disait, tirons-le, c'est notre éléphant. Tirons-le, c'est notre éléphant. And the one that was the one that to start the song kept singing. Et à une distance donnée, in a distance, celui qui entonnait, c'était lui qui avait tué l'éléphant. The one that was starting the song is the one that killed the elephant. Il entonne et à la fin il répond, c'est mon éléphant. Tirons-le, c'est and mon he éléphant. Saying, that tirons-le, was my éléphant. C'est mon éléphant. Et quand les autres disent, tirons-le, c'est notre éléphant, lui il dit, tirons-le, c'est mon éléphant. And he was saying, let's kill him, he's my elephant. Tirons-le, c'est mon éléphant. Tirons-le, c'est mon éléphant. My elephant. Maintenant, celui qui était à côté de lui a écouté. And the one that was next to him was il listening. Il dit quoi? He said what? C'est mon éléphant. He's your elephant. Il a touché l'autre qui était à côté he de lui. Touched the other one next to him. Écoute d'abord comment lui est en train de dire. Listen to what he's saying. Tirons-le. Les autres disent c'est notre éléphant. Lui il dit c'est the mon éléphant. The other one saying it's our elephant. He's saying that this is my elephant. Celui-là aussi a touché l'autre qui était à the côté. The other one touched the other one. Est-ce que vous comprenez ce que lui est en train de dire? Are you hearing what he's saying? Et ils ont commencé à se parler entre eux. And est-ce que vous comprenez ce que lui other est en train de dire? Oh, do you hear what he's saying? Laissons-lui son éléphant. Let him leave him with his elephant. Et tous ont laissé l'éléphant. Ils ont commencé la marche pour retourner à la case. And they all left the elephant. Parce que le monsieur, parce que c'est lui qui avait l'arme. Because he is the one who had the weapon. Il oublie que c'est le travail de eux tous, même si c'est lui qui a déclenché la cartouche. He forgot that all of them, it was the work of a teamwork. Mais il commence à déclarer que c'est son éléphant. But he was declaring that that was his elephant. Bon, les autres ont laissé. And the other one left it. Ils ont commencé à partir. And they went. Et lui est resté seul là-bas sur l'éléphant. He was alone with the elephant. Tirons-le, c'est mon éléphant. Tirons-le, c'est mon éléphant. Tirons-le. Et l'éléphant ne bougeait même pas. And the elephant was not moving.
Il reprend encore, l'éléphant ne bouge même pas. And the elephant was not even moving at all. Mes amis, but vous allez friend, où? Where are you going? Dit, non, nous nous partons, nous allons nous reposer parce que c'est ton éléphant. But you're saying that we're going. You said this is your elephant. Non, s'il vous plaît, revenez. Please come back. Il dit, mais nous on ne revient pas si tu ne changes pas de langage. You're not coming back if you don't change. Oui, je vais changer de langage, revenez. Yes, I will change, come back. Et ils sont revenus, le langage a changé. And they came back. Tirons-le, c'est notre éléphant. Tirons-le, c'est notre éléphant. Tirons-le, c'est notre... Jusqu'à ce qu'ils ont amené l'éléphant à l'aboutissement. Until they took the elephant to the appointed place. Et j'avais ri fatigué quand j'ai entendu cet exemple. I was laughing because when I hear that example. Et ça, and même that, dans l'église aujourd'hui, even in the church today, il y a les gens qui pensent que l'affaire de l'église, c'est leur affaire. Some people in the church think that the church business is their business. Mais l'affaire de l'église, ce n'est pas l'affaire de quelqu'un. The business of church is not for someone. C'est notre affaire. It's our business. Alléluia. Amen. C'est notre affaire. It's our business. Dès que tu entres dans l'église, when you get inside of the church, le Saint-Esprit qui t'a cherché là où tu étais, the Holy Spirit that brought you where you were, parce que ce n'est pas par hasard que tu es ici. It's not by hazard that you came here. Dieu sait la raison pour laquelle tu es dans cette the église. God knows the reason why he brought you here. C'est pourquoi il t'a amené ici. And that's the reason why he brought you here. Vous savez, you know, si nous avions la liberté de choisir dans quelle famille naître, if we had the liberty to choose in what family we will be born, moi je ne naîtrais pas dans la famille où je suis né. I wouldn't want to be born in the family that I was born into. La famille des cultivateurs. Je choisirais une famille vraiment, hein, qui une famille bourgeoise quoi. Peut-être je dirais, je vais naître dans la famille de Donald Trump. I was wanting to be born in the family of Donald Trump.